Que se passe-t-il entre le prince Albert II de Monaco et son épouse Charlène? C'est la question que tout le monde se pose depuis quelques semaines. Puisque cela fait plusieurs mois que la jolie blonde a fui le rocher. En mai dernier, la jolie blonde de 43 ans s'est envolée pour une mission humanitaire en Afrique du Sud. La mère de famille a ensuite contracté une infection orale qui l'empêche littéralement de prendre l'avion depuis des semaines. Véritable problème de santé ou prétexte pour rester loin de son mari? Rien n'est moins sûr. Certains ont en effet tendance à croire qu'il y aurait de l'eau dans le gaz entre l'ancienne nageuse et son mari le prince Albert II, qui aurait commis de nouvelles frasques. Si Albert de Monaco est déjà papa de deux enfants illégitimes, à savoir Jasmin Grasse, née en 1992 d'une liaison avec l'américaine Tamara Jean Rotolo, et Alexandre Coste, né de sa relation avec Nicole Coste, une hôtesse de l'air togolaise, il semblerait que le prince soit père d'un autre enfant caché, une adolescente brésilienne de 15 ans. Un nouveau scandale que son épouse n'aurait pas supporté et qui l'aurait poussé à fuir dans son pays, l'Afrique du Sud, où elle chercherait un nouveau logement. Le 1er juillet dernier, Charlène et Albert fêtaient leurs 10 ans de mariage. Mais ils n'ont pas pu célébrer cet événement comme il se doit. Aujourd'hui, la mère de famille adresse un clin d'œil inattendu à leurs noces. La jolie blonde a en effet partagé une vidéo de la chanteuse Alouise interprétant « My Elehart », une chanson qui a une signification importante pour le couple. « Ma chère amie Alouise, merci de me rappeler notre musique de mariage », a écrit Charlène. Un message subtil qui pourrait laisser penser qu'elle tend la main à son époux en se rappelant leur bon moment. Aliénor de la Fontenay à lire aussi Adblock Test, why?